Mbote mbote na bato nyonso mbote na bino esika nyonso buzwami na ngonga oyo na pesi bino ba mbote ba bonane na bato nyonso oyo mbala liboso na bango bala nanga ana Nisha News la Japanese Television esika wapi na ye pona kolevela bino makambo etali mboka. Toza na bonane lelo le 31 décembre 2021 tozo fete bonane. Alors pourquoi pas koyo kobela makambo nini ezo leka na République démocratique du Congo. Makambo a pasi a soni. Peuple aza kolela, peuple aza kokokate nil o balobaka nil bilan négatif na bakonzi ya mboka. Yango toye ko critiquer. Et c'est na biso to critiquer bakonzi ya mboka na biso po baza ko diriger mal. Bande ko ba Congo démocratique du Congo bazo le la ram. Le kamona ram eza ko déranger. Un peuple qui souffre ou azo continuer ko souffrir mais peuple wana bozo foutisse taxe ya ram pendant que peuple wana za na ressource mon côté. Bande ko nanga azo tel la bino vidéo o tala lolenge peuple azo le la et puis tozo zonga pona la kisabino lolenge bato baza ko continuer ko yiba pe ko détruire mboka na biso parce que boye il faut qu'ato ya koloba to kotika te parce que notre pays nous appartient alors on doit parler on doit dénoncer le mal ce qui se passe actuellement au Congo. Regardez vous-même kimona meso bomona nengeni peuple za ko le la ram bazo yiba peuple congolais trop c'est trop on doit parler. Ah bon malikambo tenga za mona mobutu na koloba polele oye koya eya ayexai biso FCC ne mutezo kali mais to moyo la FCC bana ba kabwani ni loko moko shanji mi salamiti biso to sufi to nyokwa ma biso pe eh papa sibo bona ne yango ba nzala bo efema eh ba nzala ni loko ko tsala ko ka she papa ba nzala sibo ba situ na za bo bana ba lala ki nzala eh papa na te tumba ko bona nzala. Parce que ce qu'on a décembre en haut, mais si les lots, parce que ce qu'on a la capitalité, si vous voulez, on me connaît. Bambou, on va voir ma nez qui est droite. Papa, nous avons un rami qui est sabi loco. Mais mon Gonzambo a la souci à peuple congolais. Bon, souffrance, je suis comme à la casse à moi, quand mon Gonzambo a tout mon amour. Bon, on a ça qu'on regrette. Non, mon amour là, pour ça, ça la souci n'a plus sauté quelque part. Pourquoi le vie bambou? Rame ça qu'on. Papa, téléphone en Angola, comme la Nyonga 525 Yango et Aram. Yango, donc, n'a évité, puisque depuis à moi, dame, n'a pas eu de dit, n'a pas eu de bande. Mais, ramenez ça, qu'on y a eu la vie sur la façon dont on peut la colobater. On remette à mon bon côté de l'indarateur et baraté. Ceux qui m'ont installé, on remette dans la caméra, on te la Nyonga Aram. Et ça, 560. Papa Mokondi Félix Tshisekedi, vraiment marambo za maramba soni. Un pays où yo ramassé et sika po yebi ndenge pasi. To outi nango na Kabili. Mais lelo ya la continuité de Kabili. Bo ye na taxe moussous wa bengi ram. O to yebi moutouna makolo plasi. Ou par l'argent de ram. Cet argent ezo servir na nini na mboka na biso. Pendant que le peuple souffre, il gagne rien. La population est pauvre, mais bah ça on continue toujours pour pauvrir les gens qu'on a l'icambara. Oh les araki, bah biloko biso va congolais, tu savais poser là. Bah le bel l'icambara ram. Mais tout le monde jusqu'à présent ram les a pour continuer c'est que ils ont fait ça sur la passe. Ils ont fait ça sur la passe. Paname wana sokira mia Thompson to yebite lelo komo kezate baloba ki yango soko sombinite bakukata disite mena moma oyo osombinite biso zanga na fote lelo komo kote dosombinite a mi frase nzaba kati ki moyibele ki
Vous avez suivi Ngamo qu'on a tikali bouche B. Ces grands Congo aujourd'hui, les lots RDC, bon continuer à appauvrir peuple. Peuple wana o a votera bino, mais bon continuer à faire souffrir bango prendre soin na bangoté. Bande konangai. Les lots ces grands Congo bon promettre batu ba lien piodi, ba zo soso. Ya mwana ne et loko bino bo apporter la ki peuple pendant 5 ans bo sali. Pendant 5 ans on bozo senga sous deuxième mandat. Pour nanini, ce grand Congo est concentré au petit poisson de Namibie. Et le bon même biso ba mbisi, ba chanchar et outi Namibie. Pour peuple congolais à ça la ngoni. Au lieu de nous développer nous-mêmes l'intelligence de voir comment nous pouvons les avoir dans nos propres lacs, fleuves et cours d'eau. Vous pouvez acheter des grands bateaux de pêche. Hein? De faire les élevages de porcins, des volailles pour nourrir le peuple. Mais vous autres qui ne coco sa peuple n'a pas poisson pe vos succès na Kinshasa. C'est grand Congo qui a 26 provinces par route. Yambis wana ka na Kinshasa entre parenthèses et Zamawa. Où est l'assiette des Congolais qui se mesure aujourd'hui par rapport au piodi? Vous mesurez l'assiette congolais par rapport au piodi? Bande kolanga lokwa pasi et les kaki na Congo mikole les kaki to mona ki bisu so attentant et salama ki jour attentant na salama na mboka anate ou bien deuxième fois mais de lo bat ko mikotsa ba bombe ko bombarder congolais maweza di susuti peuple azo le lanzala. Vous taxez le peuple de ram mais le lo na yeb sabino Rwanda obuhebi nazola ki sabino ba photo aujourd'hui les Rwandais ont doté donc yangola ba photo ozomona ici en Rwanda le Rwanda vient de mettre en place sa première usine de transformation d'or à Kigali. Donc le président Kagame aujourd'hui je vous parle, il a fait quoi? Il a créé, il vient de se doter d'une grande usine de transformation de l'or sur place. Est-ce que le pays comme le Rwanda peut se mesurer à la RDC? Notre pays est riche en sous-sol, riche en minerais. Je me souviens encore de l'article 8 de la loi foncière qui dit aujourd'hui les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. L'article 8 de la du code foncière. Ils ont stipulé que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Et comment est-ce que le sol et les sous-sols aujourd'hui appartiennent à l'État congolais? Et nous-mêmes, on n'arrive même pas à transformation de l'or brut. Les Rwandais sont riches en minerais comme le Grand Congo. Aujourd'hui, Kagame est en train de diriger le Congo parce que le président Chilombo, aujourd'hui fabriqué par les Rwandais, fabriqué par Kabila, le président n'arrive même pas à avoir autorité à diriger grand pays, le Congo. Les lobos aussi ont un deuxième mandat. Le peuple est en train de pleurer. Vous amenez les peuples, les piodi, les nzala, parce que vous avez dit que le peuple a souffert en nzala. Il y a un an, 5 ans pour ça, il y a un pouvoir. Et que si ça passe, il y a un peuple congolais. Je vais vous montrer des images où, au monde, il y a un an, les lobos ont un peu de temps pour détruire le Congo. Ils créent des firmes, des réseaux, les ONG, aujourd'hui pour détruire les peuples. La guerre au monde en Est. Ces guerres-là sont financées par eux-mêmes, les autorités congolaises. Les autorités congolaises. Eux-mêmes, ils créent des firmes, des réseaux, des ONG pour détruire ces pays à cause de leurs propres intérêts. Ils sont associés aux Occidentaux aussi, quelques-uns. Baza ba soucié pour nous détruire peuple.
Vous continuez de nous appauvrir. Le peuple a faim. Vous escroquez le peuple avec le taxe RAM. Donc, on ne sait même pas d'où va. Donc, cet argent va où? Je vous laisse suivre cette vidéo. Vous allez voir. Or, Wana et Kenarawapi. Ici, c'est à Kambaza. On explique ici, là où Ndengeni bakangi bakondi bakangi bakamion ba citerne pour na koyi ba peuple or diamant coltan diamant ba minéré ba o ba sale la ragnosse ezo bima pour kené na ba étranger. Suivez la vidéo. Le ministre provincial de l'Intérieur, la mission dirigée par Deoda Kapenda, qui a eu lieu ce jeudi 25 novembre 2021 dans différents lieux où sont gardés ces camions poids lourds. Sur ordre de l'autorité, les membres du gouvernement que vous voyez avec moi, nous nous sommes déplacés pour venir constater l'arrestation de 16 camions. Ces 16 camions sortaient sans document valable pour aller les vendre soit à Lubumbashi, soit à l'extérieur du pays. C'est donc 16 autres camions, en dehors de la situation des 17 camions que vous connaissez. L'autorité nous a demandé de venir voir de visu là où sont garés ces camions. Vous avez compté, il y en a 16. Et les propriétaires doivent justifier de la provenance et de la destination. Ceci est le résultat des dispositions musclées mises sur pied par... la province du Lualaba, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour le trésor public. Un deuxième coup de filet de cette envergure depuis l'accession de Fifi Masuka Saini à la tête du Lualaba. La première fois, Awa Ezana Lualaba, et si Kabazo Ibaba Orna Baminere, Yamboka Ambisoa Bimisango, Nicolas Kazadi, accompagné de l'inspecteur général des finances Gilles Adinkété, sur instruction. Là, vous avez vu à Lualaba, et si Kapiba Kangi ba camion citerne. Bazo bimana or pour bakeneko bimisangwe kende à l'étranger. Tout ça, ce sont les dirigeants congolais. Les dirigeants au biso le lotoza ko voter. Le loto tia mayele na biso. Et pas ba kondiwa na bo votara bango pe sa bango confiance. Bango ba finance akaba. Firme ba réseau mami yibi pour na ko détruire Congo. Tozo fete bonne année. Bandeko bazole la. Or et salami, izina or na Kigali, pendant que nous-mêmes, le Congo, nous sommes de pays riches, na minéré, les sous-sols et les sols appartiennent à l'État congolais, mais aujourd'hui, les sous-sols et les sols appartiennent à Kagame. Regardez maintenant à Rutshuru, comment est-ce qu'elle, ba rebelle, ba koti, ba bazo kima. Ici, c'est à Rutshuru, vous voyez? Ini bunagana tu bunagana kwa population ya mrefu sana kabisa. Donc mugini yote na jivide na bakia fit. Sasa hapa ndio watu wanatai ba mama. Oro risasi haya ingia mugini. Sasa risasi itaingia mugini itakuwa namna gani? Ici c'est à Rutshuru. Bakazo ki ma guerre na Uganda. Ba rebelle ba kota ki depuis le 8 novembre. Hey, vidéo bon moni, soit monité à Bandelango, ici c'est à Rutshuru. Pendant qu'on est en train de pleurer, le peuple dit bazole la bazana nzala. Mais na Rutshuru guerre ezakuna na Rwanda ba se doté na transformation ya usine ya or. Pendant que nous au Congo, nos sous-sols, nos minéraux appartiennent à l'État congolais, mais ça appartient maintenant à Kagame.
on n'arrive même pas à contrôler parce que vous êtes soifé de pouvoir. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a postulé et il promet beaucoup de choses au peuple congolais dont il n'a même pas réalisé pendant ces 4 ans et bientôt c'est les 5 ans. Mais il promet encore de faire plus. Pendant que même ici à Lodja, je vois l'aéroport de Lodja où c'est marécagé, il y a de l'eau. Ça, c'est quel aéroport? Dans un pays comme le Congo, la République démocratique du Congo, l'aéroport comme ça, les gens sont en train de nager. C'est un peu de Jova. Hein? Ici, c'est à Lodja. L'avion atterrit et il y a le bain. L'avion, on va passager le chariot. L'aéroport à Lodja, mais ce n'est pas l'aéroport à Lodja. Je commence à violer le sec. Ah, on a dit que j'y vais. Ah, pas j'ai un mot. Voilà. Voilà. Ounyongo, un passager tient Ounyongo Mbaemba. C'est quoi l'aéroport à Lodja? L'aéroport à Lodja. Je commence à te coller à chariot. À chariot, parce que a un bêta. Là, on est à chi. Je commence à chi. Je commence à un gâchi. Hey. Ici c'est au Congo, au Congo démocratique du Congo. Voilà. Nicolomena, chariot. Nini. Voilà. Voilà. Nous le chariot. Parce que moi, je voilà, chariot. Nous pèque, voilà, banyama. On se peque. Voilà, n'y est mena. Maman, y a eu ma kisha ça? C'est de bon de jour. Là, on est au chariot. Mena l'aéroport à Lodja. Après, avion à Mokola Mvula. Là, so, à l'Inde Yama. Mala, zio, ouais, ma passager le chariot. N'y est comme mena. Ma passager, n'y est comme mena, ma passager parce que. Ashi Yama, voilà, les transports. Maman. Ici, c'est en République démocratique du Congo. On est en train de souffrir. Un pays riche en tout. Sorte nion sur ba or, ba diamant, et ba nini, ba zinc, ba cuivre. Coltan, oh, nion sur tout le monde, ba téléphone, et tout. Ah, on a beaucoup. Mais aéroport, ils en état boué. Lelo Kabila, a baby Simboka. Lelo tour ya ba Tshisekedi c'est ba baby Simboka. Bazo senga susu manda mususu vraiment République démocratique du Congo, peuple congolais fungola misu avant yo au voter. Avant au voter au sanctionner bango na urne parce que là on ne peut pas continuer. Faisons le bon choix parce que les Congos ne méritent pas d'impiodi, ne méritent pas ça et trop c'est trop fungola misu. Merci na batunyo sur la ligne à la tranche haut tout sur la mona Katia Niche à la Japanese News. Oui, les abonnés tranche haut na banakoya na ngopo na ko dénoncer par comportement boué et ko dénoncer les malheurs les Kana Congo démocratique du Congo. Si c'est pour toi la première fois, abonne-toi ici pour ne rien rater. Ici il y aura de bonnes choses pour vous. Merci, je vous remercie énormément et je vous dis à bientôt encore. Merci et puis bye.